6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 8h32, on va s'écouter Maître Gims sur aussi Jack Perry. Il y aura le nouveau Sia, ses voix préférées. Tout ça, ça va arriver avant 9h. Juste après les infos de 8h30, nous parlerons de Mourad, le réalisateur de l'émission, qui, je pense, ne sait pas nager. Bah si. Mais on t'a pas vu nager depuis qu'on est arrivé. Bon, on en parle après les infos. Parce que c'est un vrai souci quand même qu'on a. Ouais. C'est dangereux en plus. Si jamais on se noie, il va pas pouvoir nous aider. Bah non. Faut qu'on sache. Voici les infos tout de suite. L'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, quelques passages nuageux ce matin dans le ciel, mais pas d'inquiétude, c'est le soleil qui va une nouvelle fois l'emporter le plus souvent ce lundi. Les températures vont rester stables vers 26 degrés, il fait déjà bon ce matin, 21 de relevé tout à l'heure à Monaco, 21 degrés également pour Menton et Castellar. C'était la météo sur Énergie avec Toyota et Lexus Monaco, 23 boulevard d'Italie. Ça bouchonne un peu actuellement, notamment dans la 500, dans les deux sens de circulation. Les coups de frein également sur la 8 pour vous qui arrivez de Menton vers la sortie Roquebrune. On est également par choc contre par choc sur la moyenne Corniche vers la Principauté. Bon courage. On se prépare tout doucement à la course aux bonnes affaires également. Début des soldes d'été mercredi dans toute la France, sauf dans les Alpes-Maritimes, en Corse et les Pyrénées-Orientales. Dans notre département, c'est à partir du 1er juillet qu'on va faire chauffer la carte bleue jusqu'au 11 août. Mais avant de courir après les soldes, on reste concentré. Seconde partie des épreuves du bac avec ce lundi pour les 11 500 candidats aux séries générales des Alpes-Maritimes, des maths pour les S, de la littérature pour les L et de l'économie pour les ES. Une fois le bac en poche, les juilletistes vont pouvoir en profiter en vacances. Selon un sondage ce matin, près de 4 Français sur 10 partiront cet été au même endroit que l'an dernier. Pour ceux qui choisissent de voyager à l'étranger, l'Espagne reste la plus demandée devant l'Italie et le Portugal. En route vers le titre, en tout cas les Bleus y croient plus que jamais après leur qualification pour les quarts de finale du mondial féminin de foot hier. La France a battu la Corée du Nord 3-0. Rendez-vous maintenant vendredi face aux Allemandes pour une place en finale. La musique encore en fête ce soir. Pharrell Williams, qui vient de passer une année exceptionnelle, fait son retour sur scène avant Nîmes demain. Il est en concert ce soir à la salle des Étoiles du Sporting à Monaco. Businessman avant tout, le nouveau roi de la pop se lance maintenant dans les livres pour enfants après avoir présenté son premier long métrage au Festival de Cannes, Julien Lamoussière. Oui, artiste aux multiples talents, Pharrell se fait désormais également une place dans le monde du cinéma. Producteur de Dope, il a été la star du Tapis Rouge il y a quelques semaines, mais ce n'est pas tout. Il vient de signer un contrat avec une maison d'édition pour 4 livres, inspirés de son succès Happy, avec des photos d'enfants saisies à travers le monde, sorties en septembre. Dernière collaboration en date pour celui qui vient d'être érigé au rang d'icône de la mode avec Adidas, la Jack Harpack, sortie fin mai et déjà en rupture de stock. Et côté musique, Freedom, c'est le nouveau single de Pharrell Williams. Vous l'écoutez sur Énergie Monaco Menton. Et rendez-vous donc ce soir au Sporting pour le voir sur scène dès 20h30. Il reste des places. Voilà pour votre actu, 8h35. On est chez nous. On est là en direct toute cette semaine entre 6h et 9h du Village Club Pierre et Vacances à Capesterrel. C'est dans le sud de la France. On l'avait fait l'année dernière déjà. Ouais. Pour la dernière semaine d'émission, on part une semaine en vacances et on vous fait vivre nos vacances. Tous les matins entre 6h et 9h, on est là en public. Il y a des auditeurs qui sont venus avec nous pour passer la semaine. Il y a aussi tout simplement des gens du coin qui viennent nous voir. N'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, c'est à côté de Fréjus Saint-Raphaël, vous pouvez venir. On vous offre le petit déjeuner. Voilà. Et pas n'importe quel petit déjeuner. Ah non. Il y a de tout, il y a même des figues. C'est vrai. C'est dingue, on a des figues. Je suis impressionné. Vous nous envoyez un mail manu@energie.com et puis on vous dit comment venir nous voir. 8h36, on va s'écouter le nouveau Sia, ça arrive dans 2-3 minutes. Mais avant ça, je viens de vous le dire, on vous fait vivre nos vacances. Mmh. On a un petit souci. Mmh. C'est pas vraiment un petit souci, on a une vraie question. Ouais. On a été à la piscine hier, on est arrivé samedi. Ouais. On a été à la plage aussi. Ouais. Mourad ne s'est toujours pas baigné. Alors, il est en maillot de bain. Oui. On l'a toujours pas vu se baigner. Il a mis les pieds. C'est tout. C'est tout. Mm. Donc on a commencé à s'imaginer, sans oser vraiment trop lui dire, on s'est dit, mais c'est... Est-ce qu'il sait nager? C'est ça. Bah oui. Et pourquoi tu viens pas te nager alors? Mais l'eau, elle était froide. En plus, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, non mais j'ai rentré la moitié de mon corps. Hein. Vous ouais. avez... Bon, ok, d'accord. Ah, c'est pas nager ça. Hein. Non. j'ai pas dit que c'était nager. En revanche, ça me suffit pour savoir que l'eau est trop froide. Non mais attends, si tu sais pas nager, voilà, honnêtement, il n'y a aucun souci. Non mais je sais nager. C'est pas grave.
On va t'apprendre. Bah c'est ça, oui, c'est facile. C'est pas grave. Non mais je sais. Non, ça va, non. Est-ce que tu veux une petite des bouées sur les bras? Non, ça va. Des petits brassards. Des petits brassards. Nico du web. L'eau, elle est pas à 14 degrés non plus. Ah c'est non. Il fait vraiment. C'est un refus. C'est un refus, oui, d'aller dans l'eau. Et même on te dit, voilà, tu te mouilles un petit peu la nuque, tu viens avec nous, ou t'as plus pied, tu ne veux pas. Déjà, il y a des gens bien qui savent pas nager. Bien est-ce sûr. Que dans le public, il y a quelqu'un qui sait pas nager? Ah. Bon là non, mais... Non, mais d'habitude. On aurait dû amener des enfants de moins de 2 ans. Ouais. Oriane. Et une fois que tu nous l'auras dit, tu te sentiras tellement mieux dans ces vacances. C'est-à-dire qu'on sait que tu sais pas nager, on te prend sur le dos quand on veut aller au large, enfin on saura s'adapter. On prend sur le dos, prends-le toi. Moi bon, ça me dérange pas, mais il faut que tu nous le dises Mourad, c'est débile. Mais non, mais j'ai été à l'école comme tout le monde, j'ai eu des cours de natation, je sais nager. Hein. Je galère sur le dos peut-être, bon. Mais voilà. Il y a la piscine qui est pas loin. Ouais. Oui, c'est vrai. Tu sais nager, regarde-moi dans les yeux. Dans les yeux, Manu, je sais nager. On va faire un truc. Ouais. Et on a le temps là. Dans 10 minutes, je vais retourner à ta chambre. Ouais. Tu vas mettre un maillot de bain. Ouais. Bah oui, on va descendre. On va descendre ensemble dans la piscine. D'accord. Et vous pourrez tous venir le regarder pour voir. Si vous êtes au village club du Cap Estérel de Pierre et Vacances, vous pourrez venir le voir. Ouais. Et tu plonges dans la piscine, tu fais une longueur. Et là. Ça veut dire que tu sais nager. Alors, je sais nager, je plonge pas super bien, mais je sais nager. Oh, il va plonger, il va couler. Non, bah, c'est non. Oh, il va tomber comme une pierre. C'est pas le but non plus. Rien. Mais c'est pour ça, il nous faut des sauveteurs autour de la piscine, hein. Ça pue le fait d'hiver. Hein, alors. Oui, mais en même temps, c'est. T'imagines dans le journal, parce qu'il n'osait pas dire qu'il ne savait pas nager, il coule comme un con. Non, c'est nul. Non, ce serait nul. C'est nul comme fin. T'es sûr que tu sais nager? Je suis sûr que je sais nager. Si tu sais pas, c'est pas grave. Non mais. Oh, il hésite, alors, il hésite. Ok, on fait ça dans 10 minutes, un quart d'heure. D'accord. On descend en bas, on le fait en direct. Ok. Tout le monde pourra t'appeler. Vous l'encouragerez, s'il vous plaît. Tu plonges, tu fais une longueur. Ouais, ok, pas de problème. Mais si jamais. Ouais, t'as peur, hein. Non mais c'est pas ça, si jamais tu mens, il faudra bien que quelqu'un vienne te secourir. Bon, on ira au pire. Pas moi, je suis en jean. Et j'ai mon portable dans la poche. Merci. On fait ça dans un quart d'heure. Ok. Oh. J'arrive pas à savoir s'il sait ou pas. Parce que s'il sait pas, il est trop con. Non. C'est quoi pas, non. Juste pour ne pas avouer qu'il sait pas nager. Non, mais c'est vrai que le truc dingue, c'est vrai que ça fait des années qu'on bosse ensemble, qu'on se connaît, et que effectivement j'ai jamais nagé devant toi. Mais bah il y a plein de choses que j'ai pas fait devant toi. Hein. Ça dit. C'est vrai. Mais ça, mais des je veux pas. Coquins, non. Voilà. Ouais, non, moi je veux juste te voir nager. Et ben ok. Bon, dans 10 minutes, ouais. Ok, tu vas chercher ton maillot de bain. Je vais mettre mon short. Ouais. Alors soit dans 10 minutes, bah en fait il a raison, voilà il sait nager, ouais. Soit il coule comme une merde. Ouais. Ouais. Bon, on prend un sauveteur quand même avec nous. Évidemment. Voici le nouveau SIA sur Énergie, 8h40. J'ai peur, hein.